Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les locaux du Seine Model Club Ferroviaire pour une vidéo un petit peu particulière, là où on a l'habitude de faire des tutos habituellement et présenter nos réalisations. Et justement aujourd'hui, on ne va pas vous présenter et vous parler des futurs modules showcase que nous sommes en train de, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Cependant, on va pouvoir faire le lien avec ces futurs showcase et les moteurs d'aiguille que l'on utilisera ultérieurement sur ces modules. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la future gamme de moteurs de la marque MTB, à savoir les moteurs DP4 et DP10. Ce sont des moteurs qui embarquent directement des décodeurs DCC. Je profite également de cette vidéo pour remercier la société Micromodel qui nous a prêté 4 de ces moteurs pour pouvoir les tester cet été. Micromodel est une société spécialisée dans le modisme ferroviaire avec une boutique physique à Strasbourg. Et à l'heure où les vacances ont pris fin, c'est le bon timing pour vous présenter et vous parler de cette nouvelle gamme de moteurs afin de les utiliser, pourquoi pas, sur vos projets ferroviaires cet hiver. Alors voilà le paquet que j'ai reçu de la part de Micromodel. Il contient 4 moteurs de la gamme MTB, à savoir les moteurs DP4 et DP10. Chacun avec sa tige pour faire la bascule des aiguilles et leur connecteur. Alors, je vois déjà les questions arriver avec la première qui va être: quelles sont les différences entre ces deux moteurs? Alors clairement, il y a peu de différence entre ces deux moteurs, si ce n'est que le débattement de la tige qui va varier de 0,5 mm d'un moteur à l'autre. On verra que le DP10 a cependant une forme un petit peu particulière. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Alors, pourquoi utiliser des moteurs avec des décodeurs DCC intégrés? D'emblée, vous allez me dire « Ouais, mais ça va coûter un petit peu plus cher. » Alors, je n'ai pas forcément envie de parler d'argent, même si c'est souvent le nerf de la guerre, mais plutôt des avantages et inconvénients d'utiliser des moteurs équipés de décodeurs DCC versus des moteurs qui s'est commandé par des cartes de commande. Et le premier avantage va clairement au moteur équipé de décodeurs DCC, puisque ça va tout simplement simplifier le câblage. Prenons un exemple. Imaginons que nous ayons 3 moteurs à câbler sur le module A et un moteur sur un module B, les deux modules étant côte à côte. Dans ce cas, on a 2 scénarios possibles. Soit utiliser 2 cartes de commande en en plaçant une sur le module A et l'autre sur le module B, sans avoir forcément trop de câbles à passer de l'un à l'autre, mais on va dans cette configuration-là ne pas utiliser l'ensemble des sorties, puisque généralement une carte de commande possède 4 ou 8 sorties de commande aiguille, ou une deuxième configuration où l'on aura un seul boîtier placé sous le module A par exemple, et pour lequel il va falloir passer des câbles vers le module B pour raccorder le moteur tout seul. Depuis l'apparition du DCC, on utilise ces cartes de commande, puisque la miniaturisation à l'époque ne permettait pas d'embarquer directement des décodeurs DCC dans les moteurs, ce qui est maintenant possible de faire. Le second avantage à utiliser les moteurs à décodeur intégré, ça va être la tolérance aux pannes. En effet, si on a un module de commande qui pilote 4 aiguilles qui tombent en panne, c'est directement 4 moteurs qu'on met au tas. Et 8 moteurs dans le cadre de cartes qui ont 8 sorties. Et ici, pas besoin de vous faire un dessin, on voit très clairement qu'il sera beaucoup plus facile de changer un seul moteur que tout un ensemble après changement de la carte de commande défectueuse. Pour terminer la comparaison des plus et des moins entre les deux types de configurations, la carte de commande a cependant un avantage puisqu'on va pouvoir lui adjoindre une source d'alimentation externe et donc dédiée à la commande des moteurs. Là où le moteur DCC va puiser son alimentation directement depuis l'alimentation de la centrale DCC, centrale également utilisée pour la commande des trains. Même si les moteurs lents ne consomment que très peu de courant, environ 35 mA, cela pourrait avoir un impact sur la circulation des trains, comme des ralentissements perfectibles. Si cela était le cas, il est possible de séparer la commande des trains et la commande des moteurs avec une seconde centrale DCC. Alors aujourd'hui, ce type de moteur à commande DCC existe déjà avec le Cobalt IP. Le Cobalt IP étant une quasi-réplique des moteurs Tortoise, mais avec décodeur intégré. Cependant, ce type de moteur est relativement gourmand en termes de place puisqu'il va mesurer 6 à 8 cm de haut. Et aujourd'hui, nous avons souhaité vous présenter la nouvelle gamme de moteurs MTB, les moteurs DP4 et DP10. Moteurs qui viennent renforcer l'offre de moteurs déjà existantes, à savoir les MP1, MP4, MP5 et MP10, mais qui nécessitent une carte de commande.
Alors, voici les moteurs avec leur tige de commande pour le réglage de la course de débattement et le petit connecteur à plugger sur le moteur. Sur ce connecteur, on retrouve les deux broches pour la commande DCC et la possibilité d'utiliser deux commutateurs. Et très logiquement, on va en utiliser un pour l'alimentation de la pointe de cœur de l'aiguille. Pour la course de débattement, elle diffère un peu selon les deux modèles. Sur le DP4, les débattements possibles sont de 3, 6, 9 et 12 mm. Et sur le DP10, de 3,5, 6, 9,5 et 12,5 mm. Par défaut, l'adresse du moteur est 4. Ici, on utilise une Multimos ROCO. Et le système ROCO ajoute un delta dans la commande numérique. Ainsi, la valeur par défaut sera la valeur 9. Pour changer cette adresse, il suffira de maintenir appuyé plus de 5 secondes le petit bouton blanc sur le côté du moteur pour que le décodeur se mette en écoute. Et depuis la multimouse, sélectionnez l'adresse que l'on veut utiliser pour ce moteur, ici l'adresse 100, et basculez l'aiguille, normalement en utilisant la commutation sur la multimouse. Cela a pour effet d'enregistrer la nouvelle adresse dans le décodeur. Donc voilà, c'est relativement simple de changer l'adresse du décodeur du moteur. Comme je le disais en introduction, on n'a finalement que peu de différence entre ces deux moteurs, si ce n'est le débattement qui peut varier de quelques millimètres de l'un à l'autre. Et l'autre différence va se situer au niveau des dimensions du moteur DP10, puisqu'on voit qu'il est légèrement plus gros. Alors non, il n'y a pas plus d'électronique ou de mécanique dans le moteur DP10, mais tout simplement, et c'est là qu'on voit que c'est très malin, c'est qu'il a tout simplement l'empattement d'un moteur Tortoise en vue tout simplement de les remplacer. Alors aujourd'hui au club, nous utilisons principalement des moteurs commandés par des cartes de commande puisque nous utilisons des MP1, des Tortoise, mais également des moteurs PECO. Nous utilisons également quelques moteurs Cobalt typés sur notre réseau N. Donc ce sont des moteurs équipés de décodeurs DCC également. Et à terme, nous envisageons d'utiliser ces nouveaux moteurs de la gamme MTB, à savoir les moteurs DP4 et DP10. Nous utiliserons ces moteurs sur nos futurs showcases que nous sommes en train de réaliser et que vous voyez juste derrière moi. Ces futurs showcases représenteront la petite gare de Claire, qui est une gare située en Normandie, et on aura le plaisir de vous en reparler dans les prochains mois. Voilà, cette vidéo prend fin, merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura permis d'avoir un petit aperçu des nouveaux moteurs de la gamme MTB, moteurs qu'on retrouvera très prochainement dans le commerce. Je tiens à remercier une nouvelle fois la société Micromodel qui nous a fait confiance pour les tests de ces moteurs et a rendu cette vidéo possible. Et pour vous remercier de votre fidélité, la société Micromodel vous offre un bon de réduction qui s'inscrit dans la description de la vidéo et à valoir sur votre prochaine commande. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre nos prochaines aventures avec, dans les mois à venir, un retour d'expérience sur l'utilisation de ces moteurs. Bref, restez connectés et encore merci d'avoir suivi cette vidéo.